Et yo les Babtons, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on repart sur Gmod et on repart surtout sur MSS Click. Comme vous pouvez le voir actuellement, on est posé sur notre petit banc là. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bah vous l'avez vu dans le titre, on va appeler notre cher Nino pour lui reproposer un Nino Pellegrino Adi. J'espère qu'il va être chaud et j'espère surtout que ça va bien se passer parce que vous savez très bien que le Nino Pellegrino Adi, ça peut très vite partir en couille. En tout cas, un maximum de likes si tu veux revoir un Nino Pellegrino Adi. Et surtout, tu vas dans la description, il y a la chaîne à Nino. C'est parti les Babtous, let's go! Tu veux des gâteaux, moi j'ai pas de gâteaux, tu veux des gâteaux. Oui, allô? Allô Nino, ça va ou quoi? Quentin? Oui, mais ça va Quentin et toi? Ça fait longtemps que tu m'as pas appelé là. Eh oui, ça fait très longtemps, je sais pas où t'étais passé, mais bref, je sais que t'es en ville là actuellement. Donc du coup, j'aimerais bien qu'on refasse un petit Nino Pellegrino à 10, si ça t'intéresse. Oh, tu veux me donner ton argent? Mais écoute, moi je suis d'accord, hein. Okay. Par contre... c'est combien d'argent cette fois-ci? Parce que c'est des petits problèmes financiers ces derniers jours. 5 000, pas plus par contre. Ah, très bien. Par contre, je te dis tout de suite, ça commence maintenant. Nino a dit, tu dois me rejoindre en ville et me retrouver. Je suis en ville, près de la mairie, tu dois me retrouver. A tout de suite. Bon, bah maintenant, on va l'attendre ici. Hein, on va l'attendre ici, il va bien nous retrouver quand même. A few moments later. C'est pas lui là-bas? Non, c'est pas lui. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Je vais le rappeler, il m'énerve. Ouais, allô. Et pour 2000 euros chacun, je vous emmène sur une île. Et croyez-moi, je suis le meilleur pour Nino vous emmener sur une île. Par contre, allô, vous ne m'emmène pas. Ah bah non, on va pas. Attendez deux secondes. Oui, allô? Bah Nino, t'es où là? Je t'ai donné un Nino Adi là en fait, hein. Donc tu vas me donner 5000 euros parce que j'étais toujours pas là en fait. Ah, mais oui, mais j'ai oublié de te le dire, mais malheureusement. Mais en fait, le jeu c'est Nino Pellegrino Adi. Et toi, t'as dit Nino Adi. Bah du coup, je suis pas venu, hein. Mais putain. Tu m'énerves. Ok, Nino Pellegrino a dit, tu dois me retrouver en moins de 5 minutes, je suis en centre-ville, ok? A tout de suite, et dépêche-toi, 5 minutes, sinon 5000 euros. Maintenant, il devrait pas tarder à venir. What? Bah ouais. Mais comment t'es déjà là en fait? En fait, t'es un mytho. Mais en fait, j'étais là. En fait, t'es un mytho, tu m'as cherché avec le Nino Adi. Mais non, n'importe quoi, j'étais juste là chez des amis, ils habitent derrière là-bas, et puis bah, tu m'as appelé, tu m'as dit retrouve-moi, et puis bah je suis venu, et puis t'étais là, hein, c'est tout. T'as des amis? T'as des amis qui habitent juste derrière là, dans la rue là, enfin sur le parking. Quel genre d'amis en fait? Oui, en fait, ils ont pas de maison, non, ils ont pas de maison, pas de travail, ils prennent pas de douche, bah des gens comme toi, toi. Eh, arrête de critiquer ma tenue à chaque fois. Bref, vas-y, viens. Bah non, tu viens pas du coup. J'ai fait mon premier Nino Pellegrino Adi, bon du coup t'as gagné, hein. Bon bah c'est à ton tour de faire ton Nino Pellegrino Adi du coup. Ouais, bah ok, moi, Nino Pellegrino Adi, tu dois trouver un plongeur et faire en sorte qu'il t'offre un coffre. Tu dois pas le payer. Tu dois te débrouiller pour l'avoir gratos. Ah, je dois même pas le payer. Genre j'ai même pas le droit de lui donner juste une petite compensation, je dois rien donner. Ok, et n'importe quel mec qui vend des coffres, hein, ok. Ok, ok, vas-y go. On va aller sur le port du coup. Bon, t'étais où là pendant toutes ces semaines là? C'est une longue histoire, tu sais, j'ai des problèmes avec une personne. Cette personne elle est un petit peu trop puissante pour tout le monde et je suis obligé de refaire des épreuves avec elle, sinon j'ai avoir des problèmes avec mon âme et tout. Enfin, c'est compliqué à t'expliquer. Ok, ok. T'expliquerai un jour, d'accord? Ouais. Complètement taré, je te jure, moi. Ok, on va prendre le bateau là, on va prendre mon bateau et on va aller voir s'il y a des plongeurs, ok? Allez, c'est parti! Allez, vas-y, hein. Allez, en avant, champion! J'espère qu'il y en a un. Mais moi, j'espère qu'il n'y en aura pas, comme ça tu me donneras les 5000 euros et après je serai un peu plus riche. Ouais, bah ma non. Vie sera un peu meilleure. Non, je te les donnerai pas, c'est mort. T'inquiète pas, j'ai déjà mon plan en tête. Ça serait pas des plongeurs là? Si, allez là. Eh non, c'est des éboueurs, dites-moi la vie, bonjour, bateau, monsieur... non, t'arrêtes pas! Bonjour monsieur. Est-ce que c'est possible de discuter avec vous sur la plage? Monsieur. Bonjour. Alors venez avec... Attendez, oula, venez avec moi sur la plage vite fait. Hop là. Parce que là dans l'eau, il fait un peu froid. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Gilles et je suis avec mon compatriote. On fait partie d'une association pour la recherche et développement de la nature. Et tout simplement, en fait, il faudrait que je vous demande un échantillon d'un coffre pour pouvoir l'examiner. Alors bien sûr, vous pouvez garder ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas un problème. Je veux juste pouvoir examiner un coffre. Donc est-ce que vous pouvez aller m'en pêcher un? C'est que les deux coffres là, ils sont des problèmes. Mais si vous voulez, je peux en chercher, hein. Bah je veux bien que vous alliez m'en chercher un, du coup je vous attends ici et je pourrai l'examiner comme ça. Ok, bah je vous ramène combien? Deux, bah, juste un coffre, c'est pour examiner juste les fonds marins. Ok, voilà. J'y vais. A tout de suite. Oui, mais si, c'était trop facile, hein. T'as vu comment je suis gentil, moi? Et moi, je donne des trucs qui sont trop faciles. Attends, à faire. Pardon, d'où c'est facile? Pardon, mais d'où c'est facile d'avoir des coffres gratuits, mec? Heureusement que j'ai mon truc de l'association, frérot. Hein. Sinon, ça marcherait. Hein. Oui, le vieux va se calmer là, hein. Tu cries pas sur les jeunes comme ça, hein. Moi, je suis sensible. T'es sensible, toi? T'es sensible au coquillage, ouais, mais t'es pas sensible. Toi, t'es sensible à la vieillesse.
Sensible à la vieillesse, ça existe pas. Ah bah si, regarde, t'es tellement vieux que t'as tellement de rides, on dirait ton visage c'est un labyrinthe. Un labyrinthe? Mais toi avec ton chapeau de paille là, tu te crois beau là, hein? Bah oui. Bah non. Bah oui. Bah non. Mais... Bah non. Excusez-moi monsieur, vous trouvez que je suis vraiment pas beau ce moment? Ah oui, vous l'aimez bien? Ah bah moi aussi je l'aime bien. Moi, mais regarde jaloux, à quel point t'es belle, tu vois pas que c'est un arbre ça? Tu vois pas que c'est un arbre ça? Allô, ça c'est un arbre. Allô, 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 ah, c'est un arbre ça. Oui, oui, c'est un arbre, mais je savais, hein. N'écoutez pas, il est un peu, vous savez, il est un peu perturbé, hein. Il a pas souvent d'amis, du coup, il comprend pas quand il voit des vraies personnes. Moi je vous laisse, hein. Au revoir. Ah bah t'as vu, il y a plein d'amis, regarde, t'as plein d'amis là, regarde, lui aussi c'est un nouvel ami, regarde, lui aussi c'est un ami, regarde, t'as plein d'amis partout sur l'île là, regarde. Mais Quentin, mais non, mais ça c'est un arbre, ça c'est un arbre, ça c'est un arbre, ça c'est un arbre. Ta gueule. Oh, oui. Il est bloqué là. C'est marrant. Oh là là. Ah oui, Wilson se présente Quentin. Ouais. Enchanté Wilson. C'est un mec qui est un peu perdu dans sa tête. Reste pas planté là, Wilson, viens avec nous. Comment il s'est manqué toi, je m'aurais pas plu. Allez viens là, viens, il est là. C'est bon, vous en avez trouvé un? Du coup, monsieur, mais en fait, c'est-à-dire tous les coffres sont bloqués dans des murs. Et du coup, je fais pas l'impression, mais je vais en chercher sur les dans l'eau, sur la porte plage, et au je vous ramène. Je vous ramène. Ouais, ok, on vous suit avec notre bateau. Et moi, je monte où? Tu montes avec moi, allez. Ouais, quand même. Allez-y, on vous suit. Eh, hey, Nino, s'il y a trop de vent, sache que j'ai pas de caleçon. Ouais, machin. Bah, si ma veste elle se soulève, bah, y a rien dessous, quoi. Non. Attends, on va changer de place, monsieur, attendez-moi. Non. Ah bah là il y a eu un coup de vent là. Ouh là là, j'aère là. Oh mon dieu. Mais il y a un peu plus de fourmis à l'intérieur. Eh, salut les fourmis. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, mais pas... non, faut pas rester là. C'est pas des fourmis, c'est des morpions. Bah des morpions, mais c'est pareil. Hein. Ah bah parfait. Ah mais ça mord. Allez Nino, allez on y est presque. Allez. Ben... Ça va Nino? Ça va, c'était que de la faune. C'était que de la faune et de la flore, hein. Ah bah parfait. Parfait. Bon alors je vais l'examiner un peu. Ok, on a des traces de bas. Ok. Il y a pas mal de pollution quand même en ville, hein. Vous pouvez vérifier à Jean Nino, mais il y a pas mal de pollution quand même. Vous pouvez nous l'ouvrir s'il vous plaît? Oui, il y a pas mal de pollution. Oui, un coffre à 5000 euros, vous allez l'ouvrir gratuitement. C'est très généreux de votre part, hein. Vous auriez pu faire beaucoup plus d'argent si vous l'aviez vendu à quelqu'un. Bah non, là c'est pour la faune et la flore, c'est pour une association. C'est pour le bien-être de la ville. Mais ouvrez-le, ouvrez-le, c'est que 5000 euros de perdu. Et 5000 euros de gagné pour la faune et la flore. Ah bah parfait, alors voyons voir le conteneur. Ok, du papier. Bon, bah, vous pouvez le prendre, hein, si vous voulez, hein. Moi je vois juste qu'en fait il y a beaucoup de papier en mer et que ça pollue énormément quand même, hein. Hop là. Ah Nino, c'est bon, t'as besoin de mon voler. Papier. Mon papier, monsieur. Ah bah, vous pouvez pas courir papier, vite en plus. Bon Nino, il peut pas courir vite, donc qu'est-ce que tu vas faire, c'est que tu vas courir très vite vers moi. Parce qu'on va aller sur le bateau et on va y aller, allez go. Il est où lui? Allez, dépêche-toi, 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 il peut pas courir vite. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Allez, salut, sombre bolos. Sombre bolos, allez, salut. On va faire un petit truc pour mon Nino Pellegrino Adi à mon tour maintenant, vu que j'ai réussi bien. Nino Pellegrino Adi, tu dois me suivre à la nage jusqu'à l'île secrète. Allez, c'est parti. Allez, on se dépêche. Attends, mais moi je suis pas un... Allez, moi je suis pas un nageur. Allez, on se dépêche. Allez, allez. Attends, mais Quentin. C'est quoi, t'as encore 50 mètres à faire là. Allez, allez. Allez, 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 allez. Et fais gaffe parce que je t'ai pas dit, mais il y a quelques petits requins. Non, c'est ça qui me chatouille les pieds. Eh oui, c'est ça qui me chatouille les pieds. Allez là, allez là, on avance. Eh, tu sais que c'est rigolo, on dirait un dauphin. Tu fais un peu comme les dauphins qui suivent les bateaux. Mais très drôle avec ta tête de macaque. Eh ça m'a surpris. Eh ben je m'en fous parce que moi je suis pas dans l'eau et y a pas un requin sous mes pieds là. Allez, on se rejoint sur l'île. Il y a pas, mais... Allez Nino là, t'y es presque là. Allez. Allez Nino, allez Nino, allez, allez. Ah y'a un requin. Nino, y'a un requin. Il te poursuit. Il te poursuit. Allez Nino! Allez Nino! Allez Nino! Allez Nino, jusqu'ici, jusqu'au bas! Oui! Oh, c'était chaud! Reviens, reviens, reviens! Nino, c'est bon, le requin il t'a pas chopé. C'est bon, tranquille, le requin il t'a pas chopé, c'est bon. T'as réussi ton Nino Pellegrino a dit félicitations! Mais ça m'a pas lâché! Tu voulais que non? Bah non! Mais c'est quoi ton problème? Je trouvais ça drôle, mais t'étais un dauphin, t'aurais dû le manger. Mais t'étais un dauphin, t'aurais dû le manger, n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes?
C'est pas les dauphins qui mangent les coquins, c'est les crabes. Tout le monde sait que c'est les crabes qui mangent les dauphins, faut tout lui dire, lui. Ah, je savais pas. Ok, bon bah c'est à ton tour de faire ton Nino Pellegrino, Adi. Bah tu vas me le payer, hein. Moi j'étais gentil, maintenant c'est fini la gentillesse. Alors écoute-moi bien, parce que là, ça va être à ton tour de... avoir peur de quelque chose. Quand j'aurai trouvé dans ma tête... attends, alors j'ai trouvé Nino Pellegrino, Adi. Tu vas devoir aller voir le crocodile de cette île et rester au moins 10 secondes devant lui. 10 secondes devant lui. Ok, il est là-bas là. Ok, ok, vas-y go. Donc là c'est bon, je suis devant là, non? Je suis devant 10 secondes là, c'est bon. Il croyait que t'allais te mettre à cette distance et t'allais gagner. Petit joueur, tu vas te mettre devant lui et tu restes 10 secondes devant lui. Mais non, mais il va me bouffer, mais il va me bouffer. J'ai vu un documentaire. Mais non, j'ai vu un documentaire où il disait que un homme sur 10 pouvait survivre devant un animal exotique. T'es un peut-être cet homme-là. Ok, ok. Là c'est bon, je suis assez. Là tu, tu me dis. Attends, mais si tu veux. Là je suis assez près là. Attends, attends, à ce qui paraît quand tu leur fais quand tu fais une musique juste devant, ben ça les amadoue. Tu veux que je fasse une petite chanson? Vas-y, fais une petite chanson, ouais. Attends, je me mets derrière toi. 3, 4. J'ai quelques petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai quelques petits problèmes quand je me gratte le fion. J'en ai plein les doigts. Je sais pas si tu crois que ça l'a madoué là, c'est bon? Ah oui, il est tout calme, allez, tu peux y aller. Ok. Petit crocodile. 1, 2, 3. Petit crocodile. Petit crocodile. Petit crocodile. Ah!